Sur le plateau de C'est à vous, vendredi 22 mars 2019, l'interprète d'Adieu mon pays, Enrico Macias, a dit être « prêt à prendre tous les risques » pour revenir en Algérie, où le chanteur n'est plus le bienvenu depuis 1961. Enrico veut retourner sur les lieux du crime. Pourquoi Enrico avait participé aux milices juives de Maurice Papon? Son but était de voler et tuer des épiciers musulmans à Constantine pour s'enrichir avec leur argent et nourriture. Les milices de Papon terrorisaient les commerçants musulmans qui étaient systématiquement volés, leurs marchandises et leur argent saisis, et ceux qui résistaient étaient assassinés par les miliciens du nazi Papon dont Enrico Macias faisait partie. Découverte de 17 squelettes dans la maison du père de Enrico Macias à Constantine avant sa démolition pour faire place à une tour ou un quartier d'affaires en 2008. Après la visite de Sarkozy à Constantine, il est probable que les victimes ont été empoisonnées, torturées puis étouffées après avoir été invitées à boire un café chez Raymond. Enrico et son père ont été des terroristes de l'OAS et du Mossad et des militants sionistes redoutables. Le Mossad et la CIA ont commis des attentats anti-juifs à Constantine pour obliger les juifs à partir en Palestine. Abed Charef, écrivain et journaliste de renom, aborde ici la question douloureuse de la guerre d'Algérie et rappelle qu'à Constantine par exemple, des milices avaient été constituées sous la houlette de Maurice Papon, alors préfet de cette ville. Au sein de cette milice, il cite Enrico Macias qui en faisait partie et il en veut pour preuve les nombreux témoignages de personnages encore vivants, des Constantinois l'ayant connu et vu portant l'uniforme et l'arme. Le Mossad a été réellement impliqué durant la guerre d'indépendance, contre le Front de Libération Nationale. C'est ce que révèle le quotidien israélien, Maariv, à l'occasion du Rassemblement mondial des Juifs originaires de Constantine. C'est un épisode peu connu de l'histoire de France sous la houlette de Maurice Papon ou du Mossad et de la CIA. À Constantine, des bombes ont explosé dans deux cafés juifs, rue de France, suite à ces attentats sous faux drapeau. Les milices de Maurice Papon sont entrées en action pour inciter les juifs à tuer des musulmans innocents pris au hasard. Entre 12 et 13 mai, 230 Constantinois musulmans ont été massacrés par les milices de Papon dont faisaient partie Enrico Macias et les milices du Misgeret, branche du Mossad pour l'Afrique du Nord. Selon des témoignages, des commerçants musulmans ont été assassinés pour voler leurs boutiques et leur argent car accusés sans preuve de financer le Front de Libération Nationale. Le docteur Bandieloul Mohamed Salah, ancien député et conseiller général de Constantine, a bien essayé d'alerter les autorités locales de la ville, Le Monde et l'AFP en leur envoyant le télégramme suivant. Ayant vécu événements sanglants Constantine les 12 et 13 mai courants, je m'inscris en faux contre communiqué erroné tendancieux et dénaturé publié par presse quotidienne sur ces événements qui ont été en réalité véritables pogroms et massacres prémédités et organisés par certains éléments européens contre des musulmans innocents. Stop. Profanation mosquée Sidi El-Ketani, tueries et pillages opérés sur musulmans désarmés et inoffensifs durant 4 heures et renouvelés dimanche fin après-midi par provocateurs en tenue et civils israélites. Stop. Musulmans tués dans rues et dans leurs maisons par tirs provenant de fenêtres et de lieux surélevés tels pont Sidi Retch. Stop. D'autres personnes massacrées au cours de leur transport dans voiture service ordre. Stop. Plusieurs personnes enlevées par ce service ont disparu. Stop. Tiens à votre disposition nombreux documents et témoignages précis. Stop. Proteste contre accusation portée contre Bounegabé Ahmed, ancien conseiller municipal, docteur Adam non en fuite mais expulsé Constantine par décision préfectorale et toute victime musulmane dont affirme honnêteté et loyauté. Stop. Vous prie au non-vérité publié ma mise au point dont je prends entière responsabilité. Merci. Salutations. Le 27 février 1956, ce sont quelques 10 000 manifestants européens qui rendent hommage à 19 soldats tombés dans une embuscade, dans la région d'El Moudjahid, aux armes, crie la foule devant l'hôtel de ville. L'inquiétude est telle que Maître Bambamed s'empresse d'envoyer un télégramme, le même jour à la présidence du Conseil, à Paris, libellé comme suit, éléments extrémistes armés mus par sentiments racistes, exploitent sentiments patriotiques population européenne de Constantine, pour la pousser à passer action contre musulmans. Crainte d'événements graves. Un mois plus tard, l'attentat perpétré le 28 mars 1956 contre le commissaire San Marcelli du 2e arrondissement, a donné lieu à une nouvelle rafle monstre. Elle touche quelques 10 000 Algériens qui commence dans l'après-midi, se poursuit jusqu'au matin. Son fils intervient directement en tirant sur le tas, tandis que les forces de l'ordre effectuent des perquisitions systématiques dans la ville, accompagnées d'actes de pillage. D'après la déclaration publiée par le Bulletin des Français libéraux de Constantine, les hommes passèrent la nuit debout sur la place devant le nouveau commissariat central, sous le vent et dans le froid. Les opérations de contrôle ne purent pas être terminées avant 4 ou 5 heures du matin. 13 personnes, prises en otage, seront tuées, au nom du principe de la responsabilité collective. Parmi eux, 2 syndicalistes, Mohamed Tahar Ladjabi et Ali Boudour, et l'homme de lettres, Ahmed Redaou. Les uns furent exécutés en ville et leurs corps jetés par-dessus le pont Sidiretchd. D'autres furent fusillés sur la route du Croubs. Les milices contre-terroristes semblent avoir joué un rôle prépondérant dans ces liquidations. Enfin, le 26 avril 1956, l'arrestation de Mohamed Bekeria, auteur d'un attentat à la grenade au bar Chazo, eut pour conséquence la découverte du réseau de Djebel El-Ouache et la récupération de documents dévoilant l'organisation Front de Libération Nationale (FLN) dans la région de Constantine. C'est dans ce contexte de crise générale que surviennent les massacres des entre 12 et 13 mai 1956, qui, faut-il le rappeler, ont coïncidé avec le premier jour de la fête de l'Aïd Séguir. Ceux-ci ne doivent rien au hasard. Ils sont l'aboutissement logique de pratiques politiques, appartenant au temps long dont les caractéristiques les plus visibles sont la répression, l'arbitraire et l'impunité et qui se trouvent réactivées par le déclenchement de la lutte armée, le 1er novembre 1954. Les journées des entre 12 et 13 mai 1956. Tout commence par un attentat à la grenade qui a visé le café Maïsa, dont le gérant est un juif constantinois, situé dans la rue Sidi Lagdar, face à la mosquée du même nom, vers 12h30. Ce quartier de la ville est habité par la population musulmane, mais de nombreux commerces sont tenus par des juifs constantinois dont le quartier, appelé communément « Tchare » au sens de « Hara », est mitoyen du quartier indigène. Immédiatement, des civils armés ripostent et abattent le terroriste sur place. Mais au lieu de s'arrêter là, ces mêmes civils continuent de tirer sur les passants. Une véritable fusillade éclate dans le quartier, un second café, celui de l'Edouni, situé dans le prolongement de la rue Sidi Lagdar, à moins de 20 mètres, subit une attaque en règle, 7 clients sont abattus sur le champ. Dans les rues voisines, de nombreux musulmans sont attaqués et les magasins situés dans les rues avoisinantes sont saccagés, rue Bleue, Kebab Saïd, rue Charles Floquet, Mimouni Abdelaziz, Vieux, Rouag Saïd, rue des Cigognes, Ankatmke. On reconnut parmi les assaillants, le dénommé Danden, repris de justice, notoire, chef de la pègre européenne de Constantine, secondé par Roger. Ce sont eux que l'on retrouve à la place Bozo devenue depuis place du 12 mai 1956, secondée par les groupes réunis au café, la Balle Ronde. Ils sont responsables de la mort de Tayeb Renmache, liquidé dans son café. Ils se dirigent par la suite vers la place Negrier, sous El Assar, où se tient un marché. Là, les groupes armés saccagent les étalages des fruits et légumes, s'attaquent aux marchands. Ceux-ci et les passants se réfugient dans la mosquée de Sidi El-Ketani. L'arrivée des CRS empêcha de justesse leur massacre, au nombre de 26 d'après El Moudjahid. Conduits sous bonne escorte au commissariat central, ils ne sont libérés que le soir. Entre-temps, d'autres groupes, composés d'agents de police, des civils, des supplétifs, des U-pointés, procède à l'arrestation de tous les musulmans rencontrés à la place des Galettes, Rabat El Souf, et au pillage des magasins. Le foyer des hostilités s'étend également aux quartiers Souika et Bardo, lesquels sont mitraillés par les soldats de garde à l'entrée du pont de Sidi Retched. Enfin, des rafles sont organisées sur la route conduisant au Djebel El-Louaj. El Moudjahid insiste sur l'absence de nouvelles de plusieurs personnes arrêtées. Journée du 13 mai 1956. Deux rassemblements d'Européens ont lieu, l'un au café Le Glacier, au numéro 16 de la rue de France, 19 juin 1965, l'autre au café Le Grillon, rue Casanova, rue Saïd Bouali. Des coups de feu éclatent, à hauteur du café Le Glacier exploité par E.M, ce qui déclencha immédiatement une riposte de groupes armés qui attaqueront tous les indigènes musulmans rencontrés sur leur chemin, rue de France, rue du 19 juin 1965, rue Chevalier, rue du 12 mai 1956, rue des Cigognes, Nakam Kaïs, rue Clémenceau, rue Larbi Ben Midi. Le même scénario que la veille se reproduit, en même temps qu'on tue, les magasins des indigènes musulmans sont mis à sac. Les témoins constantinois évoquent avec émotion l'épisode du bain mort, Hammam el-Awissi, connu également sous le nom de Hammam el-Mzabi, où plusieurs clients auraient été abattus. Dans la soirée, au cours de l'acheminement d'une vingtaine d'individus suspects, survient une tentative pour désarmer le sergent K qui les escortait dans un camion militaire circulant dans la rue Roho de Fleury, à Ban-Randan. Il fait feu et blesse trois individus, Banteljoun Sherif, Rahali Mohamed Sherif et Zoridi Ahmed. Au soir du 13 mai 1956, si le calme est revenu dans la ville, on dénombre de nouvelles victimes parmi la population civile musulmane. Officiellement, la mobilisation de l'armée, des CRS de la police, de la gendarmerie et des unités territoriales et l'usage des armes répondaient à des infiltrations rebelles. Les massacres qui ont été perpétrés à Constantine les entre 12 et 13 mai 1956 ne peuvent être compris si on les détache de l'esprit des « pouvoirs spéciaux » mars 1956 et de l'ensemble des méthodes répressives accordées aux différentes forces de l'ordre, police, armée, gendarmerie, CRS, pour lutter contre l'action du mouvement indépendantiste, lancé le 1er novembre 1954. Le simple recensement des principaux communiqués, émis quotidiennement, par les autorités françaises de la ville, suffit à rendre compte de la généralisation de la terreur d'État. Cette mobilisation armée au service de la pacification avait la faveur d'une partie de l'opinion publique européenne et de ses représentants au Parlement. Ce sont là deux aspects qu'il faudra étudier à l'avenir pour éviter toute confusion et déterminer les responsabilités des uns et des autres. Si les responsabilités de l'État français sont indéniables dans l'escalade de la violence, celles d'une fraction non négligeable de la société coloniale, relayée par ses mentors l'est autant. Les partisans de l'Algérie française défendaient l'ordre colonial construit sur l'inégalité des droits et la discrimination religieuse et raciale, au mépris de la dignité humaine. Pour en assurer la pérennité, ils n'ont pas hésité à appeler à une militarisation de plus en plus grande qui s'est traduite par un rappel des réservistes, un allongement du service militaire et l'armement de nombreux civils.